Salut à tous, c'est Manu. On se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo qui concerne toujours la Corolle IF1. Donc voilà, elle est remontée. Donc ce que je vais vous proposer dans la suite de la vidéo, là, c'est le montage étape par étape de la vidéo suite après au nettoyage qu'on a vu, au démontage et au nettoyage qu'on a vu dans la précédente vidéo. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc là, il y a encore un petit peu de boulot à faire dessus, puisqu'il faut que je bosse sur un petit système de fixation pour la queue, puisqu'on va rouler, comme je vous l'avais dit, avec un brushless Corali. Donc il faut que je trouve un petit système de fixation pour les lipos. C'est pour ça qu'il y a des petites colonnettes, là, je vais moi fabriquer des petites pièces pour tenir le lipo. Pareil, le servo, j'ai mis un low profile pour le tenir en position basse. Hein, donc ça gagne un petit peu en centre de gravité. C'est surtout que j'en avais un qui était déjà prêt pour monter dedans. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que j'ai dû faire d'autre en adaptation? Voici pour le moteur brushless. Ici, alors, je vais essayer de zoomer un petit peu. En fait, sur le pod, côté arrière, en fait, ça touche un petit peu. Donc là, pareil, j'ai dû joindre tout petit peu de la lime. Pour que ça puisse monter tranquillement. Et puis un petit peu aussi en dessous au niveau du pod, mais vraiment très très légèrement. J'ai dû ici de chaque côté là, y mettre un tout petit peu pour que le moteur descende un petit peu plus dans le pod. Donc ça, il n'y a pas vraiment, ça change pas vraiment les caractéristiques de la voiture. Donc voilà à peu près ce que ça donne en montage. Ce que je vous propose donc c'est de terminer donc ce montage là étape par étape. Donc vous allez voir un petit peu tout le montage de la Corali. Un montage qui était assez sympa à faire. Hein. C'est une voiture qui est assez simple finalement. Hein, ça se remonte en peut-être 1 heure, 1 heure et demie, c'est remonté. J'ai juste changé moi tout ce qui était visserie supérieure à la part de la visserie en BTR. Hein, que j'avais un peu en stock, qui était en meilleur état que la visserie d'origine. J'ai laissé la visserie Torx en dessous, hein, tout ce qui était comment s'appelle vis fraisée, à tête fraisée, hein, parce que j'avais pas assez de BTR pour faire le compte. Donc j'ai laissé ça, je verrai peut-être dans un second temps pour mettre une visserie neuve dessus. Et puis il va falloir que je retrouve des clips aussi, des petits clips Corali là, pour monter un petit peu là-dessus. Ou j'en fasse en impression 3D, donc je vais voir pour faire ça. Idem pour les petites manilles là, qui servent à la fixation de carrosserie, il va falloir que j'en fasse ça en impression 3D. Mais voilà, ça commence à avoir un petit look vraiment sympa, hein, cette belle Corolla IF1. Donc il reste après à finir la carreau. Donc ça pareil, j'ai commencé un petit peu à regarder. Hein, vous voyez que la carreau, la peinture en fait se barre par endroits là. Hein, donc on va gratter ça. Alors je vais utiliser ce genre d'outils, hein, des outils qui servent pour les téléphones, pour démonter les téléphones. En fait, c'est du plastique qui est assez tendre, mais qui est quand même assez suffisamment rigide pour gratter un petit peu la carrosserie. Et en fait, on s'aperçoit en grattant un petit peu que bah, en fait la peinture tient pas, tout simplement. Donc je vais gratter ça tranquillement au propre. Je vais essayer d'en enlever le maximum. J'ai aussi du painkiller qui peut me servir pour enlever la peinture qui reste, qui n'a pas voulu partir. Et puis on essaie de repeindre ça du mieux possible. On essaie de retrouver les bonnes couleurs. Donc voilà, donc je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Et puis on se retrouve bah pour la peut-être pour prochaine vidéo de roulage du coup. On va essayer de faire rouler quand même cette petite F1, ça peut être sympa. Voilà, comme d'habitude, bah, je vous invite à vous abonner à la chaîne RCF1, à aller voir sur le forum rcf1.fr, la page Facebook aussi également rcf1.fr. Et puis bonne vidéo. Allez, salut!
Voilà, on se retrouve donc pour la dernière étape du montage de cette F1. Donc on a fini la carreau, là la carreau vient juste d'être peinte, toujours avec une bonne peinture Lexan et puis baquée en noir histoire d'avoir un rouge un peu plus profond, hein, qui correspond un petit peu avec ce qu'il y avait avant. J'ai pas retrouvé exactement la teinte profonde de la première du premier rouge, hein, on voit un petit peu à l'arrière là sur les endroits qui restaient, un petit peu sur le pilote aussi. Mais c'est très très proche, donc ça fait vraiment un look vraiment sympa, hein, une belle Ferrari de l'époque Alesi avec la déco du pilote, ça c'est vraiment sympa. Donc voilà, on retrouve le look, hein, vraiment des fins des années 90. C'est vraiment sympa. Avec les pneus mousse, ça lui donne une gueule pas possible. Donc voilà, belle restauration pour ce projet, donc qui se termine comme ça. Donc la carreau là, baquée en noir. On a bien récupéré. Elle est un petit peu un petit endroit où c'est un petit peu mal découpé. On faudra voir ça tranquillement au calme. Hein, au passage. Mais franchement, c'est vraiment ça vraiment. On a pu pas mal la restaurer quand même. Et puis bah, sur le châssis, comme je vous l'avais dit, là j'ai fait des pièces. On voit ici là, des pièces en 3D là, pour les petites manilles de réglage de carrosserie. Donc c'est du 3D, c'est de la 3D en résine. Et puis voilà, donc avec les manilles que j'ai, et puis comment ça s'appelle, en découpage FRP, j'ai pu faire aussi, ici on le voit, des petits supports, des petits bloqueurs de batterie, puisque la batterie en fait va se mettre en transversale ici. Et puis on va serrer les supports dessus, donc ça bougera plus. Donc ça c'est cool, j'ai fait aussi un petit bloqueur ici, un petit renfort là pour les roues arrière. Voilà, donc ça va être à peu près tout pour ce montage. Donc voilà, un beau châssis, hein, qui a vraiment une gueule sympa. Maintenant, il ne restera plus qu'à le faire rouler. Avec sa carreau, on fera attention quand même, hein, parce que c'est une carreau qui a quand même quelques années. Donc on va essayer de pas trop la mâchouiller tout de suite. Et puis j'ai commandé moi à côté une Repro 94 de Williams, hein, qui est vendue par Montech, la F1 94 là, qu'ils ont. Donc Repro avec autocollant et tout, que j'essaierai de faire. Peut-être que je ne montrerai pas sur ce châssis-là, on verra. Peut-être sur ce châssis ou sur un autre, on va regarder ça tranquillement. En tout cas, c'était vraiment sympa à restaurer cette petite Coralie, un vrai beau châssis à l'ancienne. Et puis on va voir comment ça roule tranquillement, donc sans trop le stresser, avec un 21.5, ça devrait aller en 2S, ça va aller tout seul. Voilà, donc en gros ce qu'on pouvait dire sur cette restauration, pas de grosses difficultés, hein, c'était surtout du temps, hein, surtout pour nettoyer la carreau, puis nettoyer le châssis qui méritait un petit coup de propre. Sinon, après, la difficulté toujours sur ce genre de resto, c'est quand il manque de restauration, c'est quand il manque des pièces. Donc là, ça s'est plutôt bien goupillé. J'ai pu faire les pièces qui manquaient en 3D. J'ai pas le reste du châssis était complet. Hein, avant d'acheter, j'avais vérifié que tout était complet. Donc ça, c'est cool. On mettra sûrement des meilleurs pneus d'ailleurs pour rouler que les pneus qui sont un peu secs, hein, les pneus d'origine, hein, qui resteront sûrement pour l'étagère. Et puis voilà quoi, donc il n'y a plus qu'à se faire plaisir avec ça. Et puis voilà, une super restauration, super châssis. On va suivre comme d'habitude, hein, sur RCF1. On essaiera d'en faire un petit peu plus si on a le temps. On a quand même pas mal de vidéos là qui vont arriver prochainement sur les essais, puisqu'on a pu rouler un petit peu sur asphalte avec notamment la Choum. Et la X-Ray, j'ai toujours l'essai de l'Exotec à terminer, hein, qu'on avait eu le temps de faire rouler avant le confinement. Donc faut que je m'occupe de ça aussi. Donc il y a pas mal de vidéos qui vont venir bientôt sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, hein, si vous voulez avoir les notifications quand les vidéos sortent. Et puis je vous dis à la prochaine sur RCF. Allez, salut!